Lectora fournit différents types de transitions que vous pouvez utiliser dans vos titres. Les transitions peuvent être appliquées à des objets pour y ajouter des effets spéciaux, pour les faire apparaître ou disparaître d'une page. Les transitions peuvent aussi être appliquées à une page pour que les effets spéciaux apparaissent pendant que l'utilisateur navigue d'une page à l'autre. Pour appliquer une transition à un objet, il faut accéder à ses propriétés et cliquer sur l'onglet Transition. La fenêtre Transition vous permet de définir la vitesse à laquelle vous souhaitez que la transition se produise. L'option Transition entrante vous permet de choisir le type d'effet spécial à appliquer à l'objet lors de son affichage. Vous devez procéder de la même façon pour la transition sortante. Celle-ci détermine le type d'effet spécial appliqué à l'objet lorsqu'il disparaît de l'écran. Nous vous conseillons de manipuler ces différentes options jusqu'à ce que vous trouviez la combinaison qui vous semble la plus satisfaisante. Pour tester le résultat des transitions choisies, utilisez ensuite le mode Exécuter ou le mode Voir l'aperçu. Si vous voulez appliquer des transitions au niveau des pages de votre titre, vous pouvez les appliquer au niveau des propriétés du titre, des chapitres, des sections et des pages. Par exemple, si des effets spéciaux sont appliqués à une section, ils apparaîtront lors de la navigation d'une page à l'autre à l'intérieur de cette section. Sélectionnez le type de transition que vous voulez appliquer à partir de l'onglet Transition.